j'ai soif. Tu me passes une boisson, s'il te plaît? Bien sûr, c'est demandé tellement gentiment. Attends, on n'a pas de boisson sucrée? Ah non, ce sera que de l'eau. On mange quoi après? Tacos, kebab, sandwich? Non, du tout. On a deux avocats et des tomates. On va se faire une salade. Tu m'as pris des chips au moins. Je les ai remplacées par des tomates cerises. Elles sont trop mignonnes. Mais ils sont où les desserts? Les barres chocolatées et les yaourts? Ça aussi, je les ai remplacées par des bananes, des pommes, des nectarines. Bravo, il n'y a rien à manger dans ce pique-nique. Comment ça, il n'y a rien à manger? Je crois qu'elle est jalouse de toi en fait. C'est pas grave, ça me touche pas à mon niveau. Arrête ça, tu prends un gros risque. T'inquiète, elle sera pas, c'est carré. Depuis le début, il me jette des cailloux. Ça commence à monter là. C'est sur les lunettes de soleil. Je l'ai vu. Tu peux essayer tes lunettes, elles sont trop belles. Elles sont trop stylées. Observe et prends note. Attends, Ira. Je trouve que tu fais un peu tombeau avec tes lunettes. Tu peux bouger s'il te plaît, tu gâches mon soleil. Ça, c'est pour les cailloux. J'ai quelque chose à te dire, ça me tient à cœur. T'es toujours gentil avec tout le monde. Jamais tu dis des méchancetés, jamais de gros mots. Jamais tu lèveras la main sur une femme. Et malgré toutes les baffes que je t'ai mises, les baffes que tu encaisses très très bien d'ailleurs, t'as jamais été violent avec moi. T'as le cœur sur la main. Merci à toi et ne change jamais. Écoute, je sais pas quoi dire et n'en dis pas plus, sinon je vais pleurer. Non, tu mérites. Ah, j'ai oublié de le dire, j'ai fait tomber ta PS5 par terre. Elle s'est cassée, elle ne fonctionne plus. On se revoit à la maison. Qu'est-ce qu'il vient de se passer là? J'ai rien compris. 1, 2, 3, hop là! Hop là! Ira, très très haut! Hop là! Attends, je vais l'attraper! Tu sais, Ira, la dernière fois que tu m'as baffé, je suis tombée, je me suis fait mal au genou. Tout ça? Ici. Toi, tu vas me le payer. Toi, t'as pris quoi? J'ai pris du choupa choups. Elles ont l'air énormes, les besoins. Ouais, grave, on va se régaler. Allez, c'est parti! Non, mais ça va pas? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez pas boire ça quand même, c'est rempli de sucre. Vous êtes des malades! Non, on le deviendra peut-être. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi ça, tous les deux. Voilà, prenez ça, c'est meilleur pour la santé. Mais vas-y, elle saoule, là! Bon, maintenant, tu te ressaisis, t'es un homme, tu lui tiens tête. Je peux pas, j'y arrive pas. On dirait qu'elle a un pouvoir sur moi. Arrête tes conneries, arrête. Vas-y, toi, depuis tout à l'heure, tu parles. Montre-moi comment tu fais. Salut! Oh, punaise! On dirait que vous parlez de moi, tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en sueur? T'as l'air de paniquer. Je te sens plus mon corps. C'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, c'est cadeau. T'es sérieuse? C'est ça notre petit déjeuner? Oui, c'est comme ça maintenant. Tu es ce que tu manges. Je vais manger comme un être humain, s'il te plaît. Il est trop faim, laisse-moi s'il te plaît. Il va me rendre folle, lui. C'est quoi? C'est trop bon en fait. C'est mieux comme ça. Ira, tout ce que t'as à faire, c'est mettre la balle dans le trou. Vas-y, frappe bien fort, hein. N'hésite pas. Hein. T'es prête? Mais ça, tu veux pas te mettre en face, s'il te plaît, ça va m'aider. Tu fais attention quand même. Vas-y, Ira, mets le paquet. Et toi, là, je te mets au défi. Vas-y, ok, on fait quoi? On va faire des lancers francs, on va lancer jusqu'à ce qu'on rate. Mais c'est toi qui proposes, tu me laisses commencer alors? Aucune chance pour toi de gagner.
Oui, maman, je suis en train de faire un massacre là. Je sais pas quand je vais rentrer. Eh ouais. C'est pas le truc, ça. Je crois qu'elle veut rentrer. Oui, c'est ça, t'as que ça à faire. Rentre chez toi. Est-ce que tu peux me prendre en photo, s'il te plaît? Vas-y, si tu veux. Fais voir. Regarde. C'est quoi cette photo? Elle est où, ma tête? Mais ta tête, elle passe pas. Ah ouais? Je me demande, ça a quoi comme goût? De quoi? Ça. J'espère qu'il a ma Bugatti. Et moi, mon château. Bonjour les enfants, j'ai des cadeaux pour vous. Voyons donc, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Très petit, voici pour toi. Mais c'est quoi ça? J'ai que 10 ans. Et elle est où ma Bugatti? Mais quelle Bugatti? Mais tu crois vraiment au Père Noël? En plus, il n'est pas trop tôt, tu peux commencer à fumer, petit cochonnet. Et voilà ce que j'ai pour toi. Il fait froid dehors, tu feras de la soupe chaude à ton frère. Mais dis donc, c'est pas toi celle qui met des baffes à tout le monde? Oui, c'est moi qui mets les baffes. On va pas les faire jouer quand même. Mais si, au moins on sera nombreux. Vous voulez jouer avec nous? Oui. T'es mal le plan. Toi, va au cage. Comme ça, on pourra marquer facilement. Ok. Il n'a aucune chance. Je rate jamais mes pénaltys. Ah, apparemment, dans ce bus, c'est un sadique. Mais un sadique, c'est dangereux, ça. On regarde, on se casse après. Oh, punaise! C'est pas possible. Il va nous tuer. Courez plus vite, courez plus vite. Qu'est-ce qui se passe? On est poursuivi par un sadique. On se cache en préférer. Venez les enfants, fais un selfie. Mais t'es sérieuse? Tu dansais sur mon instrument? Excuse-moi, je l'ai pas vu. T'as failli le casser. Sors de ma chambre. Je vais plus te voir. Des fois, on donne plus d'importance à des choses insignifiantes et on blesse ce qu'on aime. Et là, je me rends compte que j'ai blessé ma cousine. Alors qu'elle est plus importante à mes yeux que cet instrument. Tiens, tu peux le casser, tu peux le mettre en mille morceaux. Ce n'est pas plus important que toi. Pardon, Ira. Mon cousin!